Alors du coup, on va se prendre quoi comme bonus? Always waste my money on cosmetics. Pourrait prendre ça en plus. Et du coup, ça fait que le boomerang, il est max. Oh yes! Un boomerang dans la direction opposée. Tous les jours on prend ça, bien sûr. Et là on peut prendre des dégâts en plus pour 18. Ah non, on va plutôt prendre la grenade parce que du coup on va débloquer un premier niveau. % au rayon d'explosion? Oh, bien sûr qu'on prend. Bien sûr qu'on prend. Est-ce que j'ai besoin de me soigner? On va se soigner. Tous les cas de figure. Alors on pourrait refaire un roll. Ah, la vitesse de minage, ça pourrait être cool. Et le rechargement aussi. Et la chance de critique. Allez, on claque tout, on claque tout. Allez, on est fou. De détruire ça, moi. Ça lui fait pas de dégâts, mon truc. Hein. Donc, je sais pas. Peut-être que ça fera du dégât après. On verra. Ah oui, peut-être premier palier ici, probablement. D'accord. Okay. Ah si, il y avait un petit ici, d'accord, pardon, j'avais pas vu. Ah merde, putain, ça lâche un gros. Ouais, bon, bah j'avais pas prévu ça, quoi. Je me suis fait arnaquer. Bah je pensais pas que ça faisait ça, tout simplement. Ah, il y en a un autre. Ah ouais, mais alors... Est-ce que c'est une bonne idée de flinguer un deuxième? Ouais, allez. C'était une bonne idée, on va dire. Bah techniquement, de toute façon, ça a l'air d'être le plan, hein, de flinguer les cocons. D'après la barre en haut. Voilà. On va flinguer les trois. Maintenant, on peut essayer de sauver notre cul. Évidemment, fallait qu'ils mettent du cristal là, quoi. Le vieux truc bien chiant à défoncer. C'est pas très grave. On va pouvoir faire ça. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on va se prendre? On va se prendre ça peut-être? Non, on va reprendre ça. Ah oui, maintenant je peux défoncer le gros parce que j'ai défoncé les trois petits. D'accord, ok. Allez, ok. Le cul
cuirassé. J'allais dire il va falloir le tuer, mais en fait sa vie elle bouge quasiment pas en fait. Oh putain. D'accord, ok. On a bien compris que la bête veut nous sauter dessus, d'accord. Aïe, non, on va pas taper. Bah j'ai cru que je prenais une baffe quand il m'a sauté dessus là, donc bon. J'anticipais la douleur. Je demande s'il a plusieurs phases par contre. Ah oui, il doit avoir plusieurs phases. Je crois qu'on a la réponse. Il y a plusieurs phases. Dans cette sale créature. Ok, cool. Mes deux armes sont impactées par ça. Ça peut être pas mal du coup. On a fait la moitié du boss. Pas mal. Pas mal, c'est pas mal. Bah surtout pour une vraie rencontre en vrai. Alors là on a fait de la merde. Quelle idée de con de vouloir rester miné, franchement. Alors qu'il est en mode crash. Bah, j'ai quand même l'impression qu'on a fait un perso qui est pas trop mal là. Je sais pas si les autres nains auront les mêmes armes ou pas. Ça je sais pas du tout. On va essayer d'augmenter les autres armes. Ce qui se passe dans sa dernière phase par contre, mais elle est vachement petite par rapport au reste, ça m'inquiète un peu. Ah ouais, ah ouais, oh putain de salope. Ok. C'est bon, on a réussi à sortir. Ok, non, c'est pas ok du tout là ce qui se passe. En plus, les bestioles se sont renforcées. Bon, après, il est quasiment mort. Hein, donc, Mais il faudrait réussir à aller au bout quoi. Aïe. Yes. Ok, ensuite. Ah, faut qu'on s'arrache comme d'habitude quoi. D'accord, ok. Bon, bon, ça arrache, hein. Allez, go. On a fini notre premier run. Parfait. Un détecteur de Nidra. Ok. Nouvelle classe débloquée, le soldat. C'est très bien. On va tester le soldat du coup. Alors, amélioration. Déjà, on va prendre l'XP. On va prendre un peu de chance. On va prendre du ramassage. Bon, du coup, le rechargement, on va prendre aussi. On augmente ça. Et je pense que ça va être bien pour l'instant. Hein, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas les moyens de prendre autre chose. Alors. On va rester aux cavernes pour l'instant.
Le GK2 Deep Core au niveau 12. Ouais. I'll try on Hazard 1. Alors, j'ai bien envie d'aller tester le soldat de suite, moi, par contre. Je vais pas vous mentir. Spécialiste des armes. D'accord. On commence avec un minigun. Ah, j'ai envie de tester le minigun, moi. Bon, faut trouver des fleurs ici. Ah non, mais un minigun, moi ça me tue toujours. Alors ça c'est bien parce qu'on approche rapidement de l'upgrade. On va prendre ça. Ah, les upgrades en fait c'est ultra important de les choper en réalité. J'ai presque envie de dire que le reste à côté c'est anecdotique quoi, quasiment. Vitesse de rechargement. Ouais, par contre, le minigun, il tire que face à lui, j'ai l'impression. Ah, ça, par contre, c'est peut-être pas la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il faut forcément faire face à mes adversaires, donc. Pour dégager devant moi, ok, très bien. Le reste, moins bien, quoi. Ouais, le minigun, en fait, peut-être une petite déception. Alors, manuel du plongeur. Après le minigun, il y a quand même un plaisir quoi, c'est voilà. On va voir avec quoi on peut l'associer le minigun en réalité. Ouais, faut voir ce qu'on peut trouver comme autre arme en fait pour le soldat. D'accord, le fusil d'assaut. On peut choper un revolver bulldog. D'accord. Bah, on va prendre le deep core. Ah, il me faut encore une fleur par contre. En secteur non découvert, comme ça j'ai plus de chance de trouver ma fleur. Peut-être. Ah, dans l'instant c'est pas flagrant quoi. On va prendre ça. Aïe! Cadence de tir. Ouais, le minigun, j'ai quand même une petite déception sur le minigun. On va pas se mentir. En ouais. J'ai une petite déception dessus. Je m'attendais à un truc. Allez, je vais le dire plus jouissif en fait. Rechargement. En fait, je trouve que je tire pas assez avec le minigun. Je suis juste à côté de mon vaisseau donc ça va, je m'arrête.
taking you to stage 2. Alors, on va améliorer ça. It's calling to me. On va améliorer ça pour l'instant. I can't get enough of this rare stuff. Et probablement ça, tant qu'à faire. Cowabunga. Oh non, pas Cowabunga quand même. Load up and get going, miner. We have quotas to fulfill. I think we're actually doing all right so far. Ah, encore des fleurs à collecter, d'accord, j'avais pas fait attention. The swarm is heading your way, load up. Ah, on pourrait peut-être associer le minigun avec du froid. Alors, on va faire ça. Aïe. Bon, là, on a un peu merdé. Oh, il y a tout ça à nettoyer. Oh là 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 là. Ouais, le rechargement du minigun est trop lent aussi. On était au défi là. Savoir qui bougerait le premier. C'est évident que c'était moi, mais bon. Ça se tentait comme défi. C'est bon, ça charge. Voilà, c'est chaud ce qu'on fait là. Ah, je suis pas satisfait de mes armes pour l'instant ici. Hein. Waouh! Ça c'était pas mal par contre. Ah, commun, peu commun, peu commun. Nouvelle arme. J'ai bien envie de relancer pour essayer d'avoir une grenade ou un truc dans le genre. Ah, grenade incendiaire. Oh, bah oui, forcément. J'aurais dû m'en douter, hein. J'aurais dû m'en douter. Vu que je ne suis pas satisfait du rechargement du minigun pour l'instant. Ça me brûle pas, d'accord. Non, je voulais vérifier.
Aïe, ça me fait mal par exemple. Ça me brûle pas et ça m'explose pas non plus. Très bien. Bon. Alors, on va se prendre ça. Le problème, c'est que là, pour l'instant, j'ai rien qui me ramène l'XP vers moi, quoi. Donc, je suis obligé d'aller les récupérer moi-même. Alors, ça, c'est bien, ça. This upgrade's gonna change my life. Et je pense qu'on va prendre le minage. Ça me paraît la plus raisonnable. Plus intéressant surtout. Allez go. You got work to do and quotas to meet. You have your objectives. Morkit 20, d'accord, ok. J'ai trouvé ça. Pour l'instant, mort kit, ben zéro, hein. J'en repère pas. Non. Ah, mort kit. Ça nous en fait 16 hein, d'un coup. C'est cool. Hein. Big swarm detected. Log up and get ready. Essayer de fuir par en bas. Non, on peut pas fuir par en bas. On est en bout de carte en fait là quasiment. Non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Enfin ouais. Non c'est pas bon du tout là. Ah, ça m'a fait quelques dégâts. Hein. Cette connerie. Je peux pas rester. Big swarm detected. Log up and get ready. Super. Je sais pas où je vais me planquer, je sais pas, je. Ok, bon déjà, on a récupéré notre vie. C'est pas mal. C'est pas mal, on va dire. Alors. Parfait. Nitra, XP, XP. Chance, boulon, vitesse. Allez. Je me demande s'il me faudrait pas une autre grenade avec. Je pense qu'avec une autre grenade ce serait encore plus délirant ce qu'on se meurt à l'écran. Ah merde, le prétorien. Rechargement. Alors en fait je suis obligé de prendre feu
Parce que je veux pas réduire ma vitesse de rechargement, je trouve déjà qu'on recharge trop lentement, donc... Alors j'ai une arme feu, une arme froid et la grenade feu, ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, après tout. Alors par contre j'ai plus rien en projectile. Ah, quoique si, ceux-là sont toujours considérés comme étant projectiles. D'accord, ok, très bien, bon, on prend là. Ah, nouvelle arme, bof. Hein. Je peux pas avoir une autre grenade hein. C'est tellement drôle. Bah non. Je peux pas avoir une autre grenade. Bon bah le Zoukov hein, alors. Bon, maintenant le soldat en fait, compte tenu qu'il a toutes les armes et qu'il est en train de tirer comme un dégénéré en permanence, ça me convient. Hein. C'est plutôt pas mal en vrai. Ah, j'ai déjà fait 250 000 de dégâts incendiaires. D'accord. On n'a pas chômé. Alors, projectile, bah ça me fait 3 armes qui sont upgrade. Hein, donc... On prend. Hein. Après, là, l'inconvénient, c'est la zone de ramassage. Quoi. J'ai rien qui me ramène. J'ai zone de ramassage à chier. Ça va être un peu relou en fait du coup. Ça va être un peu relou. Et là comme j'ai claqué tout mon or, bah je peux quasiment rien acheter ici. Alors j'ai une cadence de tir à 18. D'accord, super. J'avoue que l'aide nous aide vachement pour le coup. Ouais. J'ai 34 au total. On va peut-être prendre perçage. Et les dégâts ici. Allez, go. Alors, il est déjà en train de brasser les grenades dans tous les sens. C'est un dégénéré, mon perso. Ah, le minigun, ça reste une valeur sûre. Y a pas à dire. On a 5 fleurs encore à récupérer. Allez, go. 4. Ah oui, l'escargot, faut qu'on le bute. Il est bien, il drop des trucs. Il est là-bas. On va lui faire la peau. On va le buter, c'est en pas fait. Allez, viens, mon petit bouchon, je veux juste te tuer, moi. Mais je te veux pas de mal. Je veux juste ta mort. Franchement, où est le mal? Est-ce qu'on augmente notre vie? Ou alors notre rayon de ramassage. Rayon de ramassage, je pense. Allez, meurs! Parfait. Augmente les dégâts de toutes les armes. Ah bah ouais, c'était bien ça aussi. On apprécie. Mais je passe ma vie à me battre pour ma vie. Bon là par contre ouais. Hop. Allez. Ah, il y a une fleur.
Voilà. Par contre, il faudrait qu'on récupère un peu d'or, hein, parce qu'on a vraiment pas beaucoup là. Et sinon, ça va être la merde pour les achats à la fin du level. Si on va à la fin du level, bien sûr. Avec le scout, on a un peu galéré à atteindre la fin. Non, c'était la mise en jambe. Allez, faut qu'on bouge. Oh là, ça a bien explosé au-dessus de moi, ça c'est cool. 10% de dégâts, plus 5 en intensité, ça pourrait être cool, effectivement. On va probablement prendre... Laser chargement. Allez. Ah ouais, putain, il y a tout ça à nettoyer ici. Oh, c'est abusé. Rien massage. On pourra pas faire pop le truc, je pense. On n'aura pas le temps. Il y a trop de monde sur nous. Ça va être tendu. On a eu chaud. Hein. Allez, ça, c'est bien ça. Ça va être cool. Allez, on a encore pris des dégâts, mais c'est bien. Allez, on continue à prendre des dégâts, c'est cool, c'est cool. Ça nous permet de choper un upgrade. Alors ça m'embête, c'est la réduction de la cadence de tir. Ça m'embête. Je sais pas quoi en penser en fait. Après, on fait moins 30% en cadence de tir, mais on pourra choper les upgrades qui vont réaugmenter. Je pense que si, on va peut-être quand même le prendre. Par contre, on va avoir besoin d'un peu de vie. On a un peu bouffé notre vie juste avant, donc voilà. Vitesse de rechargement, ça c'est cool. Hop, hop, hop. Allez, un peu de vie, yes. Parfait. On s'est un peu rechargé en vie, c'est cool. Ouais, je reste défier mes ennemis. Voilà. Par moment seulement. Hein. Intensité, ça pourrait être classe. Oh, yeah. Il y a trop d'explosions là autour de moi, j'aime pas. Oui, oh oui, oui. All tasks complete, siege finished. The drop pod is prepped and ready. Get on it before it leaves. Test de minage. Alors première run en soldat, on va directement réussir à atteindre le niveau 5. Ouais, bah, pourquoi pas, hein. Le scout on a galéré, mais au soldat beaucoup moins. À part que le soldat me correspond plus. Vitesse de rechargement, ouais, pourquoi pas. Allez. Stage 4 completed. Next stage is the dreadnought. On va au 5. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Ouais, bon, déjà c'est un peu limité ce qu'on peut se prendre. Que nous n'avons pas les moyens. Alors je pense qu'on va se prendre de la vie. Voilà. On va se prendre
cadence de tir, parce que ça va améliorer mes trois armes. Et après, eh bien, on continue. Here we go. You've found the dreadnought. Now you just need to make it come out of hibernation by destroying the cocoons. Show them what a single dwarf can do. Alors, faut détruire les cocons. Allez, non. Faut qu'on trouve les autres. Faut qu'on trouve les autres, pas par là, forcément. Hop, hop, hop. Ouais, on galère un peu à trouver les cocons là, j'avoue. Ah là, il y en a un. Ouais, tout à l'heure, ils avaient trouvé beaucoup plus vite que ça, hein, les cocons. D'accord, on a deux saloperies volantes au cul. Ça va. C'est pas les pires, on va dire. Parfait. Où est le dernier? Là, on a le gros, mais pour l'instant, il est immune. Dernier, je l'ai pas vu. Par là-bas, peut-être. Aïe. Non. Ah si, pardon. Ok, on aura eu 3 volants. Bon, pas très bien. Ce serait bien que je sache finir ça par contre. Commun, cadence de tir, déplacement, déplacement. Je pense que je me déplace pas tout à fait assez vite pour l'instant. Donc on va se prendre ça. Et moins cadeau. Bah Nitra, il me semble que j'ai déjà pris. Je suis pas sûr que l'effet soit cumulatif, donc bon. Aïe. C'est bon, on y a mis le feu. On va remettre une petite dose, voilà. Allez. Maintenant c'est parti, faut essayer de survivre. Ok, premier saut, on a pris le saut dans la gueule. Ça fait pas plaisir. Ok. Bon après, premier saut, j'étais peut-être pas tout à fait attentif. Voilà, on va dire ça. Non, 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 si, c'est bon. C'est pas la meilleure idée qu'on ait eu quand même. Hein. Je pourrais jamais passer ça, c'est pas la peine. Aïe, 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 aïe.
Ouais, oh là 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 là. Oh là, ouais, bah oui, bah oui. Ah, je me fous même dans la merde, hein. Vu les chemins que je prends, clairement, je cherche les emmerdes, hein. Bon, après, phase 2, c'est là où il crache les œufs, je crois. C'est phase 3. Non, c'est phase 2 où il crache les œufs. Et phase 3 où il fait les picots sur les côtés pour nous bloquer. Rechargement, cadence de tir, rechargement. Rechargement. Il sentira plus. Voilà, ok, c'est ça. Phase 2, c'est bien les œufs. Alors, rechargement, cadence de tir. Cadence de tir. Ouais, j'essaye pas forcément de faire la course avec lui, ça sert pas à grand chose. L'objectif, ça reste quand même de le tuer, donc bon. Voilà. Hein. Ah, des PV, ce serait cool. Mais je pense que la vitesse de rechargement ici est mieux. Parce que PV, en vrai, on n'est pas trop trop mal, donc. C'est pas absolue nécessité. D'aller en choper plus, je pense. Bon, là j'ai fait de la merde, donc bon, on a perdu les PV, logique. J'étais pas attentif, on m'a sauté dessus. Voilà, hein. Comme d'habitude, j'ai presque envie de dire. Hein. Ouais, là ça va être chiant. Ouais. Là en fait ça va être chiant parce que je suis abîmé et qu'il me saute dessus. J'étais sûr qu'il allait sauter et que j'allais être bloqué et que j'allais prendre le saut en pleine tête. J'étais sûr que ça allait m'arriver. Ah putain, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah PV max. Ah je suis occupé à creuser, il me balance son œuf dans la gueule, je peux pas grand chose quoi. Malheureusement. Ouais, on est mal là, on est très très mal. On est mal. Oh, on va mourir, on meurt. On meurt, on meurt, on meurt. Pas assez de dégâts, je pense. Pas assez de dégâts. Ouais. Je suis en train de réfléchir en fait ce qu'on aurait pu mieux faire. Peut-être le Zoukov. On aurait peut-être dû l'augmenter plus. C'est peut-être ça qui nous a manqué. Ok. Ouais, on a fait pas mal de trucs là quand même, mais je pense que ouais, c'est sur le Zoukov qu'on a peut-être merdé. Et peut-être aussi sur l'arme qu'on avait passée en froid, c'était peut-être pas la meilleure idée. En fait, quand on voit les dégâts que ça a fait, au final, c'est pas fou. C'est grosso merdo la moitié des dégâts balistiques classiques. Donc, ouais. Pas grave. Ah, parce que ça nous permet quand même de faire des upgrades. Donc, voilà quoi. On va peut-être augmenter les PV. XP. Cadence de tir. Oh, régénération de vie, ah ouais, tous les jours ça par contre.
Même si c'est pas énorme au début, à la fin, à mon avis, ça devrait être pas mal, je pense. Allez. Ah, je peux encore acheter un truc. Ah oui, je peux encore acheter un truc. Allez, go, voilà. Oui. Une arme seulement, 3 étapes. Ah! Il y aurait d'autres choses à faire. Bon, on verra après. Pour l'instant, on va rester sur le principal. Et j'ai bien envie. De retester le soldat. Voir ce qu'on peut faire vraiment avec lui. Et voir s'il y a peut-être une autre combinaison qui serait plus plus efficace, on va dire. Rechargement. C'est là-dessus que je vais râler encore, donc. En fait, ce qui aurait été top, c'est qu'on puisse avoir deux grenades avec le soldat. Mais on n'a pas pu avoir. Cadence de tir, rechargement. On n'a pas pu avoir. Alors, je sais pas si c'est pas possible à faire. Ou si on a juste pas eu de chance sur les rolls. Enfin, pourtant, on a quand même rollé pas mal de fois. Donc. Ce serait un peu abusé si on l'avait pas eu, mais bon. Après c'est possible hein. Non. Supply pod ready for insertion. The drop point is too rocky, so please clear it out. Évidemment, il y a encore 15 tonnes de merde sur la zone. Alors, ça me propose. Ça qui est l'équivalent du Zhukov. J'ai l'impression. Ou alors la grenade. Oh, la grenade hein. Tous les jours la grenade hein, en vrai. En fait quand je vois les dégâts de feu qu'on a fait tout à l'heure, je me dis que la grenade c'est quasi obligé quoi. Alors ça me propose ouais ça c'est pas mal ça. Ça va cramer tout le monde. Enfin tout le monde ou presque. Ouais ok d'accord. Très bien. On a réussi à ne pas se prendre l'explosion. C'était le but. Il me faut encore 5 champis. Encore un champi. Encore 0 champi. Excellent job. Je continue à en ramasser, parce qu'on aime bien les champignons. Voilà. Cette phrase qui n'a aucun sens. Je sais pas si les nains aiment bien les champignons. C'est vrai que je pose la question à Imps quand il sera dans le coin. Si les nains aiment bien les champignons, j'en sais rien. Ah oui, alors ça je prends pour avoir le premier upgrade. Feu. Oui. Allez, voilà. On lance du feu dans tout ce bordel là. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien ça. Alors pour l'instant, on est quand même grosso modo sur la même composition que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hein.
On a la grenade, on a le minigun. Oh, vitesse de rechargement, ça c'est beau ça. Bingo! Dégâts, dégâts. Ouais, c'est pas mal du tout ce qui se passe. Après, le problème qu'on a avec le soldat, c'est la récupération de l'XP. Il est obligé de la faire tout seul. Que le scout avait son boomerang qui lui ramenait tout. Ça, c'était classe. For crap's sake, move it. They're everywhere. Parfait. Get to the drop pod before it heads back to orbit. Ok, ça a pas mal explosé, ça a dû nettoyer le terrain, très bien. Vitesse de rechargement de la grenade, ça pourrait être classe. Allez go. Diving deeper, taking you to stage 2. Alors, cadence de tir, intensité, dégâts, intensité, on a 19. Là on fait 18 ici quoi. Alors, on peut peut-être faire ça et un rayon de ramassage. Et on va peut-être... Ouais, c'est pour ça qu'on s'autorise. Ah! Ça, j'avoue, ça peut peut-être être pas mal. Allez, on l'a pris. Ça avait l'air bien. Voilà. Ok, il faut récupérer des fleurs. Allez, on a déjà 3. Ça commence bien. On a préparé quelques soins en cas de besoin. Ah. Alors là, je suis en train de prendre des dégâts comme un abruti. Ça fait pas du tout plaisir, les gars. Non mais en fait c'est tellement surfait d'esquiver que... Je m'emmerde plus à esquiver quoi. Oh. Ça je prends. Vas-y fais-moi le truc là. X... Manuel. Eh, par contre, je sais pas là, j'ai envie de prendre des dégâts ou quoi là, j'arrête pas d'en prendre depuis tout à l'heure. C'est insupportable quoi, sérieux. Faut arrêter un peu les conneries là. Nouvelle arme. Alors, Zhukov. À canon. Zhukov. Two guns for the price of one. Feeling much better now. Bon voilà, on a refait notre vie. C'est déjà cool. Oh
Par contre, il manque encore deux fleurs. Hein. Je dis ça, je dis rien, hein, mais il faudrait voir à se bouger un peu les miches. Hop, ça je prends. Faut qu'on augmente notre vitesse de minage aussi, hein, parce que là, c'est un peu la cata. Alors, feu ou vitesse, Non, je pense que ça peut être intéressant d'augmenter aussi ma vitesse à moi. Histoire de m'écarter plus rapidement face au boss. Je pense que ce qui nous a manqué aussi tout à l'heure face au boss, c'est un peu de vitesse pour se déplacer. Même si il faut aussi que je sois un peu plus attentif, certainement. Alors je pense qu'on va dire grenade, de manière à avoir son premier niveau. Quoi? Oh! Une explosion supplémentaire qui inflige des dégâts cinétiques. Allez. Cadence de tir, rechargement. Just the upgrade I was looking for. Threat level increasing. Satisfied. The drop pod is arriving. Get moving. It won't hang around. La ligne droite, hein. C'est plus rapide. Allez go. Done, Miner. We knew we could trust you to go it alone. Stage 2 completed. Alors. Alors. Bien, il me propose deux fois d'imaginer que l'arme est plus belle qu'elle l'est, quoi. Je vais me contenter de prendre ça. Je pense. Probablement la vitesse de déplacement. Peut-être la cadence de tir. Voilà. Si on tire plus vite, le boss aura plus de dégâts. Plus rapidement. Donc pourquoi pas. Ouais, il est en mode furieux. Hein. On mitraille tout ce qu'on peut. Allez, on va choper de l'or de l'autre côté. Parfait. Cadence de tir, chance de critique, vitesse de rechargement. Chance de critique. The swarm is heading your way, load up. Wow.
tripod prepped and ready, Miner. We need you to clean up the landing zone. Ok, balise ravitaillement, il part en haut et moi je vais part en bas. Complètement normal. Je vois vraiment pas ce qui pourrait mal se passer. Faudra pas. Parfait. Allez, deux fleurs de plus. On en manque trois encore. Oh la zone en plus, y'a rien à nettoyer quoi. Gain d'XP. Alors, artefact. Nitra, XP, or. Ok. On s'en est bien sorti là. J'ai senti quelques explosions dans mon dos. Voilà. Il y a une fleur là-bas. Je la veux. On manque encore deux. Je veux les fleurs, bien sûr. On a réussi à passer presque discrètement. Je fais pas assez de dégâts actuellement. Ouais, je fais pas assez de dégâts. Pas assez de dégâts, donc je récupère pas assez d'XP, donc je m'upgrade pas assez, donc on est dans la merde. Gimme. XP, rechargement. Well done, you got them all. Nouvelle arme, pistolet rafale. Ou alors Bulldog. Rafale. Parce que comme on a déjà le Zoukov, en fait, ça va faire deux armes qui tirent dans quatre directions, ça peut être assez marrant. Parce que ça veut dire que ça va couvrir pas mal de terrain autour de moi. Allez, bouge. Bon, on l'a tué a priori. Non, on l'a pas tué. Waouh! Ouais, c'est n'importe quoi ce qu'on fait là. Projectile, cadence de tir, cadence de tir. The bugs are getting worse. Move it! All tasks complete. Steve finished. The drop pod is prepped and ready. Get on it before it leaves. Vas-y, perce. Vas-y. Allez, go. PV max, c'est pas bien. Ah, on a récupéré un peu d'XP. Bon. Cadence de tir, PV, cadence de tir. Allez. On peut se prendre quoi? Augmente les dégâts de toutes les armes. Ça peut être sympa. On va se prendre ces deux là. En fait, je peux tout prendre. Voilà. Et on continue. We've got work to do and quotas to meet. You have your objectives.
D'accord, Morki. J'avais pas fait gaffe à ce que je devais faire. Bah, j'avais regardé, j'avais vu, mais j'avais pas assimilé, on va dire, on dit ça. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Allez hop, laissez-moi là. Les objectifs à accomplir, moi les gars. Hein. Vas-y, grouille. C'est un peu tendu là quand même. Hein. Cette extraction était légèrement hasardeuse. Et laissez-moi extraire. Ah, vache. Il m'en faut encore 6. Allez hop. Ça, ça serait bien qu'on échappe. Voilà. Can't land the supply pod. Impact zone is cluttered. Get it fixed. Oh. 14 de tir. Ou alors 5 de dégâts à toutes les armes. C'est bien. Swarm detected. Get ready. They'll be with you shortly. Ouais, c'est bon. J'ai fait mon objectif. Un niveau sup, rechargement. Ça, une pilule. Cadence de tir, alors ça ce serait bien, mais je pense qu'il faut aussi que j'augmente mes armes. Alors, ouais, bof. Les effets. Les armes légères, donc en fait j'ai les deux petites qui vont être upgrade grâce à ça. Ça peut être pas mal. Ouais, j'ai remis en deux petits coups, hein. Bon voilà. Je reste défier la grosse bête. Bon, peut-être pas jusqu'au bout quand même, parce que voilà. Bon, on a quand même pris une baffe. Alors ça, ça peut être sympa. Alors je pense qu'on a laissé pas mal de level derrière nous là. Comme on peut pas récupérer beaucoup de cristaux là, il faudrait qu'on puisse augmenter notre zone de ramassage, mais on a tellement besoin d'augmenter notre armement. On va prendre ça. Alors bah, tant pis, on perdra un petit peu en cadence de tir. Mais comme on a pas mal boosté les cadences de tir autrement, on va prendre ça.
prendre ça et ça. The Dreadnought will emerge when you destroy the small cocoons and watch out for elites. Keep your cool, you will make it out just fine. Ah, on a bien commencé là, c'est n'importe quoi ce qu'on a fait pour commencer, mais ça s'est passé quand même, donc ok, un deuxième rampant. Ah, je préférais la version tout à l'heure où on avait les volants, mais bon. Je crois que j'ai pas le droit de choisir. Par là, il y aura rien. En train d'arriver au bout, c'est magnifique. Évidemment. Je me doutais que ça allait être un troisième comme ça, je sais pas pourquoi. Hein, je... La chance, hein, certainement. Ok. J'aurais tellement que je puisse activer le pod. Ça va être tellement long. Parfait. Alors. Ah, c'est tout, fait chier. D'accord, on va prendre quoi? On va prendre ça. Et on bouge. Ah, 12 d'armure. Ah oui, ça par contre. Ça me tend très bien, mais. Les dégâts me tentent plus. Mais ok, j'accepte. Ok, phase 2, d'accord. Ok, là. Comme ça, on atteint son premier overclock. Oh. Alors ça, c'est pas mal, effectivement. Pas mal du tout, en vrai. C'est-à-dire que elle gagne, elle aussi. La grenade, je sais pas trop. Ça vaut peut-être le coup d'essayer ça. En fait, de temps en temps, faut que je m'arrête pour lui tirer dessus aussi, avec le minigun. Encore faut-il que le minigun soit pas attiré. Bref.
Oh. Oh. Aïe. Fait chier, on a vraiment été trop long encore. Fait chier. D'accord. Parfait. Hop, ouais, bah ça par exemple. Ça devrait me permettre d'arriver à la sortie plus facilement. Allez, go, on s'arrache. Wow. Eh bah soldat, on a fini. On a fini aussi, c'est cool. Plombeur tactique. D'accord. On a débloqué l'ingénieur.